Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anne de la Motte. Je suis danseuse et chorégraphe et je dirige la compagnie Intact, qui est une compagnie chorégraphique du territoire. Elle est à Rouen, même, elle est basée à Rouen. Je m'appelle Marc Lange, percussionniste. Je travaille avec Anne au sein de la compagnie Intact sur le projet Terre de Rencontre. Alors, Terre de Rencontre, c'est une pièce chorégraphique dans laquelle on travaille sur le rapport de nos corps et de nos perceptions, de nos consciences aux éléments naturels. L'eau, la terre, le feu et l'air. Quelle présence ils ont déjà dans nos corps et quelle influence ils exercent sur nous, sur nos états de conscience, sur nos émotions. On est accueilli dans les conditions techniques qui sont optimum. Et oui, c'est vraiment le moyen de créer des choses, d'avancer sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. On ressort, en général, on est content, on a traversé des choses, des étapes et on avance bien sur le projet grâce aussi aux résidences. C'est essentiel. Oui, c'est un peu la cuisine d'un restaurant. Oui, exactement. C'est là où on expérimente des choses, ce qu'on a pu imaginer, penser, les endroits où on a envie d'aller. Et après, on commence à sélectionner, à écarter des choses et puis à écrire aussi. Mmh. Écrire un spectacle, ça prend du temps en fait. On a travaillé sur la partie aérienne en fait, donc avec des accroches. Et puis à aborder un petit peu cette partie qu'on va mettre dans le spectacle, donc la chorégraphie et aussi la partie musicale. On fait une semaine de résidence, cette fois-ci à l'ECFM, l'Espace culturel François Mitterrand, qui est à Rambleu, du 14 au 18 novembre. Et donc le vendredi 18 novembre, à 19h, on fait une sortie de résidence avec un échange. Donc ça, c'est le premier prochain rendez-vous qu'on peut proposer. Sinon, la première, quand même, c'est le 11 mai 2023, à l'ECFM également.